départ dans une minute. Labo du bas, es-tu prêt? Oui, nous sommes prêts. Labo du haut, es-tu prêt? Nous sommes prêts. Daniel à la cabine pour la marche 09302, départ. Départ Daniel, bien reçu. Messieurs, c'est parti. Nous sommes à 1000 mètres et annonce BC Panto pour le labo. Ok, BC Panto, équipe pour 2. La zone est franchie. Je vais te monter, Panto. Bien reçu, Laurent. Allez, tension initiale 31,2 kV. Allez, vas-y. Donc, zone 300. Top, et on passe à 360. 360. Correct. 710 ampères, 29,9 kV. Quatre cents. C'est correct. De tous. Après contrôle et validation, la valeur officielle de la vitesse atteinte dans notre marche est de 574,8 km/h. Je répète, 574,8 km/h. D'abord, il faut reprendre son souffle, hein, parce que l'émotion est forte, la tension a été considérable, alors on a besoin de respirer. Grande émotion, un grand bravo. Je crois que c'est le premier mot qui nous arrive à toute l'équipe qui a réussi cet exploit. Ma première pensée va pour les hommes, parce qu'entre la modélisation et puis l'exploit, il y a les hommes. Et aujourd'hui, je pense à tous les collaborateurs d'Alstom qui ont rendu cet exploit possible, avec leurs collègues, avec leurs amis de SNCF et de RFF, en finalement très peu de temps, énormément de travail, une très grande collaboration et le record du monde. C'est super. Ce sont tous les professionnels auxquels je pense. Je pense à ceux d'aujourd'hui, je pense à ceux d'hier, ceux qui avaient accompagné le record précédent. C'est une fierté formidable. Le long de la voie et sur les ponts, tous ces gens qui applaudissaient, ils rendent hommage à tous les cheminots. Et c'est une forme de fierté française. C'est ça que je trouve émouvant.
574,8. 574,8. Bonjour à tous. C'est quelque chose d'exceptionnel. Un engouement sur tous les ponts et tout le monde avec des drapeaux. C'était vraiment quelque chose de fantastique. Là, c'est vraiment une très, très grande aventure humaine. Et puis l'aventure de la construction de la LGV, là, c'est aussi une autre aventure avec de très nombreuses années de travail. Et là, c'est vraiment la consécration, je pense, du travail de tout le monde. Pour nous, c'est la preuve que si on sait garantir pour plusieurs marges d'essai une telle vitesse, 320 à l'heure, on a de la marge pour les voyageurs. On a de la marge en fiabilité, on a de la marge en confort et on a de la marge en sécurité. C'est un souvenir, mais un souvenir qui ne sera pas seulement celui du record, et peut-être même principalement celui, je dirais, du travail avec une équipe formidable. Et quand je dis une équipe formidable, c'est une équipe dont les membres, qu'il s'agisse d'Alstom, qu'il s'agisse de RFM, qu'il s'agisse de la SNCF, ont travaillé en transparence totale. C'est une traduction ou une illustration, s'il en était besoin, de ce que veut dire le système ferroviaire intégré dont on parle si souvent.